Bonjour à tous, c'est Restons chez nous, restons ensemble. Et aujourd'hui, nous allons chez Bogdan Potebnia, le chanteur lyrique, ou plutôt pour l'instant étudiant au Conservatoire national de Lyon. Voilà, donc apparemment, il va devenir chanteur d'opéra. C'est intéressant, un Ukrainien qui fait ses études à Lyon pour devenir un chanteur d'opéra. Voilà, donc je vais contacter Bordan tout de suite. D'ailleurs, je voudrais dire que il y a quelques jours, nous avons déjà parlé, mais cette conversation n'était pas en direct. Donc, on s'est vu tout à l'heure, disons, mais il faut que vous aussi, vous savez un peu plus sur comment ça se passe la vie des chanteurs, de futurs chanteurs à Lyon. Alors, Bonjour. bonjour Bordan, c'est qui à côté de toi? Bonjour. C'est aussi une chanteuse lyrique. C'est ma copine, Lere Viscare. C'est une chanteuse lyrique. Elle est étudiante aussi au Conservatoire supérieur national de Lyon. Elle peut Enchanté, se présenter Leire. aussi. Si... Bonjour. Moi, je m'appelle Marco. Écoute, j'ai une question. Où vous êtes? Parce que moi, je suis à Lyon, dans le cinquième. Et vous, vous vous trouverez où? Nous, on passe notre confinement dans les Vosges à Épinal, c'est dans Lorraine. D'accord. Et Et on n'est pas pour pourquoi? l'instant à Moi, Lyon. normalement, tu dois être à Lyon, dans une résidence étudiante, non? Oui, en fait, avant le confinement, on a eu les présentations des spectacles d'opéra, c'était Dialogue des Carmélites. Où on a fait chacun sa rôle. Et ce jour-là, c'était deuxième présentation ou troisième? C'était C'était la deuxième. la troisième. C'était la troisième. La troisième présentation. Et en fait, j'ai eu le message de notre directrice de la résidence que voilà, à cause du confinement, tous les étudiants de la résidence doivent quitter dans un jour, quitter la résidence et trouver un moyen de trouver un logement où il peut rester pendant le confinement. Ouh là Et là. moi, comme j'ai eu ma famille, une famille d'accueil à Épinal, j'ai décidé d'aller visiter d'abord. On est parti avec les Ré pour les joindre. Mais en fait, on n'a pas pensé rester Non, de moi. pendant 2 mois. Oui, on a pensé seulement venir pour une semaine, rendre visite, voir la nature, parce que vraiment ici, la nature est la meilleure. C'est la région des bois, on peut dire. Ça aurait été des petites vacances comme ça à la fin de semestre, mais finalement, on est resté confiné ici. Oui, c'était vraiment très drôle parce qu'on a pris notre valise pour une semaine. Et maintenant, on est obligé de se rire avec une valise Finalement, il pendant faut 2 mois. commencer à laver les chaussettes. Oui, n'est-ce pas? Oui, J'espère qu'on va revenir bientôt à Lyon pour continuer. ouais. Mais c'est bizarre, moi je ne savais pas que les résidents évoluaient pas. C'était partout ou c'était seulement dans votre résidence, comme ça? En fait, la résidence, elle est située au conservatoire. C'est vraiment dans le centre de conservatoire et comme établissement sera fermé, en fait, on était obligé. Mais je pense que la résidence de Crous, non, c'est pas fermé. C'est seulement pour les étudiants qui étaient sur place. D'accord. Oui, C'est-à-dire le conservatoire à la Fourvière, oui, sur la colline Fourvière, oui. ah non, c'est trois quais, Non, c'est le quai. non. Ah, Sur le quai. d'accord. Oui. Celui des Le Fourvières quai qui de la se trouve Somme. Le quai de la Somme, oui. OK. Bon, Voilà. qu'est-ce que je voudrais demander? Ah, donc tu as parlé de la famille d'accueil. Pourquoi tu as eu la famille d'accueil? Parce que pour En moi, fait, la grande question, c'est pourquoi tu as choisi Lyon pour tes études? Voilà. Mais aussi la question de la famille d'accueil dans le Vosges. Voilà. Parce que tu oui, habitais en France avant déjà. Tu habitais en France oui, avant j'étais venir. déjà. On est les deux étrangers. Ça, c'est une Vénézuélienne. Moi, je suis un Ukrainien. Et
comme vous savez. moi, je suis venu pour un jour, je suis venu pour faire les concerts dans les Vosges. C'était il y a 4 ans. Comme j'ai gagné un concours en Ukraine, je suis venu faire les concerts. Et dans un concert, c'est mon professeur d'Épinal qui m'a entendu pendant ce concert-là et il m'a invité à faire ses études à Épinal. Et comme j'ai eu mon rêve depuis longtemps, venir à Lyon pour faire mes études, mon professeur, il m'a conduit jusqu'à Lyon. Et voilà, maintenant on est à Lyon et mon rêve de rentrer dans ce conservatoire est réalisé. Pourquoi tu as rêvé de venir à Lyon, pas à Paris, je sais pas ailleurs? Je sais pas, depuis longtemps, moi j'ai rêvé de Lyon. Je sais pas, j'aime bien visiter Paris, mais pas pour faire ses études. Vraiment, pour moi, c'est trop. Il y a trop de choses dedans que je me fatigue beaucoup. Et vraiment, j'imagine même pas la vie là-bas. Je sais pas. En plus, Lyon, c'est une très belle ville que tout le monde qui choisit. C'est une des plus belles villes de la France, sans doute. Je suis Vraiment. d'accord. C'est pour ça que nous avons mis le nom de Lyon dans le nom de l'association. Oui, c'est vraiment Je rigole. une Mais ville qui est énorme. en fait, mais tu as commencé de rêver de Lyon après avoir venu en France ou déjà quand tu étais en Ukraine? En fait, j'ai rêvé depuis ma jeunesse, on peut dire, depuis quand j'étais petit. J'ai rêvé de faire mes études en Europe. Et pour moi, mon rêve, c'était en Italie, soit en France. Mais en fait, Lyon, c'est le meilleure ville que tu es en France et tu es vraiment voisin avec Italie. En fait, c'est le meilleur endroit pour être, quoi. Et D'accord. je pense que les c'est pareil. Oui, c'est vrai. Oui, c'est à peu près pareil. Et après, je suis tombée amoureuse de tous les profs de Lyon et tous les gens de Lyon et de la ville. Donc, pas seulement, tu es tombée amoureuse, pas seulement avec Bogdan, mais avec tous les profs de Lyon. Je pense que tout ce que j'avais besoin, je l'ai trouvé à Lyon, franchement. J'ai besoin d'aller nulle part maintenant. Ok, bon, et comment ça se passe, la première année au conservatoire? Quelle impression? Voilà, est-ce que tes attentes sont, ou vos attentes sont, la réalité est au niveau de vos attentes? Qu'est-ce que vous faites pendant cette première année? Ben, en fait, moi, comme j'habitais, depuis que je suis en France, j'habitais déjà à Lyon. Et quelquefois, j'avais déjà visité le conservatoire. Je m'imaginais en marchant dans le conservatoire même. Et c'était vraiment comme un rêve. Mais du coup, pour moi, la première année, c'était vraiment mieux que ce que j'avais imaginé dans mes rêves. C'est la qualité de l'enseignement, c'est les gens, en fait, là où l'ouverture d'esprit de toutes les personnes qu'on peut retrouver, toutes les nationalités, même dans les professeurs, parce que tous les professeurs, ils ne sont pas seulement français, il y a l'Australie, il y a la Slovaquie. Je sais pas d'où il vient. Je sais Ouais. pas de qui tu parles. Bon, c'est un monsieur des pays de Slovaque. C'est très riche. Je trouve que c'est encore mieux de ce que je m'attendais. Et c'est une expérience très belle et très riche. Et moi, donc, votre je peux dire. formation. Oui. Vas-y, vas-y. Moi, je peux dire aussi ça. Quand j'ai fait le premier, comment dire, premier cours d'essai avec une prof de là-bas. Pour moi, quand j'ai vu conservatoire, c'était comme que tous les étudiants, c'est comme les anges, tu sais, avec les nymphes qui marchent, tout ça, c'est hyper, hyper correct. Pour moi, c'était mon rêve, en fait. C'est pour ça que j'ai vu tout ça comme ça. Et après, quand j'ai commencé à faire mes études, en fait, il n'y avait pas grand-chose qui était changé, en fait. Pour moi, c'est vraiment un endroit hyper sain. Pour moi, c'est un endroit où je viens et je me sens comme dans un paradis. C'est vraiment, tu es entouré par la musique, tu peux choisir n'importe quelle langue à travailler pour apprendre. Il y a tous les professeurs vraiment hyper forts. Par exemple, la prof anglaise, elle vient de. D'où elle vient? Elle Elle est est américaine, américaine en fait. ouais.
La prof d'italien, c'est une dame Une vraie italienne. italienne, ouais. Ma prof Allemand, d'allemand, c'est c'est aussi elle vient allemande. d'Autriche. Oui, en fait, c'est vraiment très riche et c'est seulement dans les langues. Musique, c'est aussi ces grands mélanges. On peut vraiment travailler tout ce qu'on veut et se développer comme musicien, c'est énorme. Je veux vraiment, au Conservatoire de Lyon, c'est super. Ok. Avant de te poser une autre question, je voudrais parler à tous qui nous regardent. Je ne sais pas combien de personnes nous regardent. Il n'y a pas de commentaires pour l'instant. Voilà. Mais je vais dire, n'hésitez pas à poser vos questions à Bordan et Leire, qui sont des étudiants au Conservatoire national de Lyon. Mettez-les dans les commentaires et je vais les lire, je vais les même mettre sur l'écran comme ça. Hop, vous voyez? Donc, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de questions, pas de commentaires. Aidez-moi un peu. Voilà, donc je voudrais demander, Bordan, donc tu m'as dit que tu as gagné quelques cours pour être capable de venir en France pour tes premières études de chant. Donc, c'était quoi ce concours? Voilà. Qui t'a permis de venir à Vosges. En fait, c'était un concours qui se passait dans la plus ancienne ville d'Ukraine, c'est Tchernigo, Tchernihiv. Qui a grande culture des Cosaques. Moi, je suis toujours très content d'être né dans ce lieu-là. Et un jour, je suis venu au notre collège de musique de Revoutsky, pour faire, comment, pour travailler comme d'habitude, pour faire mes vocalises. Et j'ai vu, il y avait un concours qui s'appelait Lubalor Ukraine. Qui a sélectionné les chanteurs pour faire le tournée en France, dans les Vosges, apparemment, c'était dans les Vosges. Et moi, je dis, bon, j'étais ce jour-là et pas très en forme, j'étais un peu malade. Je dis, quand même, je vais essayer, ça peut être rigolo. Et il y avait vraiment 80, 96 ou 17 personnes et ils ont choisi deux personnes de chanteurs pour venir faire les concerts ici, douce liste. Et voilà, et moi j'étais sélectionné et il y avait encore une fille qui était avec moi, deuxième. Et comme ça, on est venu en France pour faire nos concerts et après on a fait la rencontre avec professeur qui nous a invités et voilà, c'est parti vers le rêve, vers la meilleure ville du monde. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette collègue, cette fille ukrainienne, où elle est maintenant? Elle est à Dijon. Elle a passé aussi ses études à Épinal pendant 3 ans. On a eu notre DEM, diplôme d'études Diplôme d'études musicales. musicales. Diplôme d'études musicales. Ouais. On a eu notre diplôme et moi, comme j'ai rêvé toujours de Lyon, je suis parti vers Lyon et elle a voulu l'autre école. Elle a choisi Dijon et elle est partie là-bas. Voilà. Ok. Donc, il y a la première question. Et je remercie à Sonia d'avoir même signé parce que dans ce logiciel, je ne vois pas toujours qui pose la question. C'est lié avec, je pense, avec les réglages de Facebook. Si tu n'as pas ouvert, si tu n'as pas donné l'autorisation à Facebook de partager tes informations avec d'autres logiciels, donc il y aura. Voilà, il n'y aura pas de photo, il n'y aura pas de nom. Donc, merci à vous merci de signer, voilà, vos commentaires. Comme ça va faciliter la vie de nous tous. Donc, la question de Sonia Bonin, quelles sont les différences au niveau enseignement de la musique et du chant par rapport à l'Ukraine? Donc, vas-y. Oh, oui, c'est bonne question en Ouais. fait. C'est très bon. Quelle différence? Différence, vraiment, il y a grande différence parce que, comment dire, il n'y a pas de corruption d'abord pour entrer, c'est hyper juste par rapport à les chanteurs parce que Voilà. je ne vais pas avoir peur de dire que pour entrer au conservatoire de Kiev, il faut payer 5 000 euros pour entrer seulement pour passer ses examens. Et ici, en étant étranger, si tu as le talent, si tu as capacité de faire ça, tu peux rentrer. C'est très juste.
même s'il y aura les concurrents, ce sera les Français, par exemple. Ils vont pas regarder quelle nationalité tu es, et ils vont vraiment prendre qui est plus fort. Et il y a beaucoup de justice dans ce conservatoire, et pour moi, c'est déjà une chose hyper importante. C'est moins d'élite, peut-être. Oui, voilà, Il n'y a pas c'est. besoin d'avoir d'argent pour pouvoir accéder à ces études. Oui, Beaucoup c'est. d'argent, Il quoi. y a vraiment beaucoup d'étudiants qu'on choisit vraiment aller en Europe parce que c'est beaucoup plus sain et plus naturel. Et dans la musique, comment dire, dans la musique, je pense que nous, on a aussi très bonne base, mais comme on n'a pas beaucoup de possibilités de se développer comme un chanteur en Ukraine, c'est quand même. Ici, c'est prestigieux être chanteur, être musicien. Par contre, chez nous, c'est pas si prestigieux et en fait, il y a moins de motivation peut-être. Tu as un peu moins de motivation pour continuer ou je sais pas comment dire. Moins de débouchés professionnels après les études. Tu trouveras plus d'emplois peut-être Ici, ici. plus de possibilités de se développer comme chanteur, trouver un boulot. Au sujet de solfège, vraiment rien à voir de ce que j'ai travaillé en Ukraine. Et ici, c'est l'autre technique de travailler. Et vraiment, cette technique, il marche. Parce que peut-être j'étais Mais petit encore pour. peut-être tu peux illustrer, c'est quoi la petite différence dans le solfège? De la technique. En fait, ici, solfège, c'est une chose, une des choses plus importantes, on peut dire. Tu dois être chanteur, mais aussi tu dois savoir bien solfège pour être bien juste, pour travailler bien ton oreille, et c'est hyper important. Mais par contre, en Ukraine, comme j'ai plein de mes amis qui sont au conservatoire à Kiev, à Lviv, en fait, c'est pas hyper important d'avoir travaillé solfège. Allô, allô? Je vous entends très bien. Ah Je vous voilà. entends très bien. L'image était disparue, mais ça va. On ne Oui, te voyait pas. j'ai disparu parce que j'ai voulu disparaître. Ah. Ah, d'accord. En fait, il y a la différence, vraiment, je ne peux pas dire que il y a des choses il y a des choses bonnes ou mauvaises, mais quand même, il y a la différence entre notre école là-bas et ici. OK. Ok, bon, qu'est-ce que vous faites pendant le confinement? Comment ça se passe la formation pendant le confinement? Qu'est-ce que vous faites toutes ces 2 semaines? Nous, on travaille comme d'habitude, notre horaire comme au conservatoire, on s'est organisé tous les jours le piano, les vocalises, le sport, les partitions, les. Bon, et c'est. À mon avis, c'était positif plutôt de pouvoir être enfermé à la maison parce qu'on est plus concentré, on suit mieux notre routine. Quand même, les chanteurs, on a besoin d'une discipline, d'une routine tous les jours, comme les gens sportifs qui font du sport, comme les langues. Et c'est quelque chose que si on arrête de s'entraîner là-dedans, on oublie. Et moi, je trouve que ça nous a aidé beaucoup à suivre vraiment, avoir une routine de chant et d'entraînement tous les jours, plus saine et plus effective, même. Je vois plus de résultats maintenant que On a dans ces plus de 2 mois. temps. On a plus de temps de s'organiser, de faire des choses qu'on a eues pendant l'étude parce qu'on a eu plein de cours qu'il faut insister. Ouais. Et après, c'est les devoirs, tout ça. Et là, on sait notre journée, comment c'est appliqué, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette heure-là. Et tu sais bien que rien va te déranger, Oui. que tu seras toujours en forme, tu vas pas endormir pendant un cours et tu vas perdre comme ça le temps. Et aussi, on est dans une maison, heureusement, avec beaucoup d'espace. On ne dérange pas les voisins. On a un piano. On peut aller chacun dans son coin bosser. Et on a la chance, quoi, Et on vraiment. a chanté déjà pour nos voisins qui habitent dans des appartements. On sort Oui. dehors, on se met sur la rue. Et on chante et ils nous applaudissent. En fait, c'est un vrai concert, quoi, Ah non, mais ici. c'était très très émouvant, ça, vraiment. Les voisins, ils étaient hyper enchantés avec nous et ils étaient très contents.
Donc, il ne me reste pas de choix. Je vais aussi vous demander de nous chanter quelque chose. Ah. Qu'est-ce que vous voulez nous chanter, hein? Avec plaisir. Nous, on peut chanter un morceau hyper connu en Ukraine. Et c'est une chanteuse qui aime bien aussi chanter notre musique. Et la, ah oui, et la découverte de pour elle. Est hyper belle. C'est Misetsna Nebi. Ok. Si bon, je vous laisse tous les deux sur l'écran. Ça okay. Marche. Ça c'est notre. On va se situer dans la tonalité. Okay. Alors. Je m'excuse d'abord pour la prononciation peut-être fausse. Je m'entraîne sur le crâne. On a bien travaillé. Voilà. Месяц на небі зелоньки сяють, тихо помовлю, човне пливе. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. В човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Пісня та мила, пісня та люба, все про кохання, все про любов. Як ми любили, стали розійшлися, тепер зійшлися навіки знову. Як ми любились, то розійшлися, тепер зійшлися навіки знову. Bravo, bravo. Voilà, petit extrait de notre magnifique. Peut-être un notre peu musique traditionnelle. C'était super. Pour vous. Je suis ému. Peut-être un peu fort. Avec l'aide d'une Vénézuélienne qui adore la culture ukrainienne. Et qui maîtrise bien la langue. Bravo. Bon, c'est comme ça. Bravo. Il y a une question là de la part de Stonia. Vous ne m'entendez pas? Est-ce que Hola. Vous m'entendez? Hola. Est-ce que vous m'entendez? Hola, Hola comment estás, chico? Merci. On va attendre un peu. Pour vos commentaires, pour vos questions. Я сподіваюся, що нас чути. J'espère que tout se passe bien, mais mes invités ne m'entendent pas. C'est encore une fois de les reconnecter. Allô, allô? Allô, allô? Vous m'entendez bien? Ouais, ouais. Oui, oui. Bon, bravo pour cette chanson. C'était super. Je suis ému. Leila, aucun accent. C'est vraiment génial. Oui, elle est presque ukrainienne. J'étais dans les écouteurs et c'était un peu trop fort pour moi. Donc, peut-être un peu plus loin du micro la prochaine fois. Voilà. Bravo, vraiment. Il y a une question de la part de Sonia. Et que pensez-vous de la méconnaissance en France des compositeurs ukrainiens? La méconnaissance, ça veut dire. Méconnaissance. Ça veut dire qu'il y a connu, des gens qui ne savent pas sur le compositeur. Можливо, на українській мові, щоб правильно зрозуміти це питання.
Чи тобі не здається, що про українських авторів мало знають у Франції, українських композиторів? Ils sont les compositeurs ukrainiens sont pas assez connus en France. Est-ce que c'est vrai d'abord? Parce que Sonia pense que c'est comme ça. C'est vrai que il y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de gens qui connaissent notre musique, mais dès qu'il entend, il tombe amoureux quoi. Ah oui. Et nous on est pour ça. Moi vraiment je suis là pour ça, pour pouvoir apprendre une nouvelle culture et montrer la mienne aussi, nos compositeurs, notre musique, notre culture, et aussi se nourrir avec la culture française, italienne, tout ce qu'on peut retrouver ici. C'est vraiment hyper riche. Et la majeure partie du temps, les Français, ils sont bien ouverts à... je parle pas de musique classique, je parle des Français généraux, ils sont super ouverts à la musique du monde, à la musique exotique, à les choses nouvelles. Et je pense que si par exemple Bogdan il aurait envie de chanter quelque chose en ukrainien ou d'un compositeur ukrainien, les gens ici ils seront enchantés de connaître ça. Oui, et il y a pas mal quand même musiciens qui arrivent pour le travail de notre pays. J'ai rencontré déjà quelques chanteurs à Lyon, c'était Roma et Mikhailo, c'était un ténor. Ils ont été en train de préparer le spectacle, l'opéra, théâtre d'opéra. J'ai rencontré ces deux bons chanteurs qui j'admire beaucoup. Ici, j'ai entendu parler au conservatoire, il y avait une prof qui a parlé d'un metteur en scène ukrainien qui est vraiment meilleur à Lyon, qui ne fait pas très souvent les mises en scène, mais vraiment, il est, tout le monde qui lui parle de lui comme un dieu, quoi. Mais au sujet de compositeur, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup de nos compositeurs et de notre musique. C'est plutôt nos artistes qui arrivent et ils sont bien reconnus. Ok. Bon, il y a quelques commentaires, la réaction à votre interprétation de la chanson ukrainienne. Quelle voix, bravo, c'est magique, c'est Huguette. Et puis, il y a une autre question de Sonia, mais avant, je montre un commentaire de Incognito, voilà, des applaudissements. Et puis, une autre question. Il faut venir nous voir à Doudaric, n'est-ce pas, Sonia? Donc, c'est quelqu'un qui chante dans la chorale ukrainienne de Lyon qui vous invite à venir les voir, les choristes amateurs. Voilà, je pense qu'ils seront heureux de vous parler, de partager. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est le Fegio, c'est le Fege, voilà. Ah. Oui, avec plaisir, vraiment. Dès qu'on a le temps, on vous joint pour passer un bel moment. Ça fait plaisir, oui. Ouais. Je pense que c'est magnifique que Léa a pu maîtriser une chanson en ukrainien. Je me demande si Bogdan il sait chanter en espagnol si beau que Léa chante en ukrainien. Ah non, je... En fait, Léa, il va gagner. Léa, tu vas répondre à cette question. Aujourd'hui, c'est Léa qui gagne parce que vraiment, en espagnol, je dois m'entraîner encore avec la prononciation parce que quand même, on va essayer d'éviter de prononcer mal parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura les Espagnols qui vont entendre et dire « Ah, bah, qu'est-ce qu'il est mauvais. » Je préfère ne pas chanter que chanter mauvais. Oui, vous voulez me chanter une chanson en espagnol? Non, en fait, on n'a pas encore travaillé des choses ensemble en espagnol. On a fait un ukrainien et je me suis intéressée vers l'alphabet cyrillique parce que c'était complètement nouveau pour moi. Et Bogdan il m'a donné quelques cours en fait de l'alphabet cyrillique, mais on n'a pas fait l'envers encore. Mais on va Bogdan, tu ne connais pas l'alphabet latin? Si, si. Je connais. Mais en fait, ses prononciations de sa langue, elle est,
Oui, c'est C'est une différent. langue hyper riche, Oui. et hyper claire. Et il faut que je... Il y a encore quelques langues à maîtriser et après je vais m'occuper de ça pour maîtriser bien l'espagnol. Nous avons pu apprécier l'accent ukrainien de Leïla et maintenant nous voulons bien apprécier l'accent espagnol de Bogdan. Vas-y, on fait un petit couplet que je connais. Vas-y, moi je commence et toi tu continues. C'est pas une bonne idée. C'est Le pas une bonne idée, morceau mais. qui tout le monde connaît chez nous, c'est aussi, il y a un tube comme ça qui s'appelle Bésame Tu le sais par cœur, tu connais? mucho. Ou je sais pas, tu continues. Ok, ça marche. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera. Voilà. Non, comme que tengo miedo a Perderte, perderte después. Voilà. Voilà. Quand Bravo, même, c'était bravo, merci. C'est pas ça allait, mal. oui, ça allait. Qu'est-ce qu'il Vous faut avez à un peu faire de temps après? Après, avant de c'est très partir. très beau. On vous promet de retravailler ce morceau-là. Il devient un Vous devez. vénézuélien juste après. Ouais. Il manque juste un petit peu. Oui. Vous avez un peu de temps avant la fin du confinement de On peut écrire améliorer. un commentaire. Hein. Non, 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 c'est bon. mais la dernière fois. C'est bon, il faut appuyer. Vous m'entendez pas? Allô, allô, allô? Bon, Mais je sais je quelques vais. phrases déjà parlé en espagnol. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô, allô. Bonjour. Allô, allô? Oh, bonjour. Oh, Encore une fois. Go live. Allô, allô, allô. Bon, j'espère que vous Hola. allez. Hola, papito. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Bon, Bésame mucho. interprété Mucho. par les... Mes amis, je vais essayer de les recontacter. Je vais les demander de. Je vais essayer de les contacter parce que vous voulez dire merci d'aller. Donc, je vais les demander de me joindre une fois là pour merci et pour dire au revoir. Voilà. Voilà, donc nous avons pu écouter de belles voix de l'Ukrainien Bohdan Potebnia et de sa copine Leyla Iskaret qui étudie au Conservatoire de Lyon. Voilà, ils sont pour encore une fois avec nous. Leyla Bohdan, vous êtes là? Oui, on est là. Oui. Très bien, finalement. J'ai pu vous être en ligne. Bon, encore une fois, merci beaucoup pour cette belle Bésame mucho. C'était super. Ton accent n'est pas mauvais. Je ne parle pas l'espagnol, mais pour un Ukrainien, bon Il est parfait, oui.
Voilà, On a tellement bien chanté que le monde a un chaos et tous les réseaux explosent et on n'a plus oui, de communication. ça commence à bugger en fait, oui. Voilà. Il y a aussi un remerciement de la part de Sonia, donc merci. Дякую, gracias. Gracias. Дякую, дякую. Дуже приємно спілкуватися і знаходити своїх в цьому місці. On va dire juste trois phrases en ukrainien pour que Bogdan puisse voilà, s'épanouir en ukrainien. S'exprimer, oui. De me faire plaisir pour mon âme, c'est ça? Дуже тобі дякую, що ти вийшов на зв'язок, було раді чути. Сподіваємося, що ви зайдете в гості до наших співаків в Дударик. Ліонський хор Дударик, не львівський. Дуже приємно, дякую за запрошення, це дуже приємний момент був для мене, це завжди радість зустрічати нових друзів в іншій країні і, так сказати, залишатися в контакті з нашими людьми і якби продовжувати нашу культуру і показувати, і спілкуватися, і час від часу говорити на українській, тому що, як ви бачите, починаю забуватися потрішки, починаю дуже путати слова між французьким і українським, це дуже важко. Це нормально, нема на то ради, але намагаємося, як то кажуть, свого не соратися і чужого навчатися. Так, так. Мені дуже подобаються відкриті люди і свої, спілкуватися з ними, це одне задоволення. Дякую що, велике. До нових зустрічей вже в Ліоні. Так, і бажаю успіху вашому хору. І надію, що деякий момент ми завітаємо в гості, будемо спілкуватися, ділитися всім, чим тільки можемо, і до скорих зустрічей. Домовились. Voilà, dernier commentaire, super moment, merci à vous deux. Je sais pas de la part de qui, mais je pense que de la part de nous tous qui ont été avec vous ces dernières 20 minutes. Leire Viscaré et Bogdan Potebnia ont été avec nous. Au revoir à Lyon, à bientôt. On se retrouve. Oui. Ciao, ciao. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, gracias. Ciao, ciao. Au revoir. Voilà, nous avons eu la possibilité d'échanger avec deux chanteurs, deux étudiants du Conservatoire National de Lyon. Bogdan Potebnia, l'Ukrainien, et Leire Viscaret, la Vénézuélienne. J'espère que cette rencontre, cette retrouvaille en direct vous a plu. Et je vous dis au revoir à demain. À demain, nous allons écouter un concert maison. Cette fois, ce sera Lida Zinko qui va nous présenter plusieurs chansons ukrainiennes, donc connues et moins connues. Je pense que ce sera un enrichissement musical pour tous ceux qui aiment l'Ukraine, la musique ukrainienne. Voilà. Et ce samedi, nous allons parler un peu de l'histoire de la maison ukrainienne Tchernogora en Ardèche. Nous allons vous montrer quelques photos historiques, comment les Ukrainiens ont passé leurs vacances d'été dans les années 50, 60 et 70. Voilà, donc à 18h40, demain et samedi. Je vous embrasse tous. Avant de partir, juste je voudrais vous dire que notre playlist YouTube, vous pouvez toujours aller voir sur YouTube les enregistrements vidéo passés, donc ce qui a été enregistré il y a quelques jours, il y a une semaine, voilà, pour rattraper si vous aurez manqué quelque chose. Voilà. Je vous dis au revoir, restons chez nous, restons ensemble. Je m'appelle Markian Peritiatko et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.